Villalmanzo, Burgos, 16 janvier 1877 Buenage de Alarcón, Cuenca, 12 février 1939. Deuxième de cinq frères et sœurs et d'une famille aisée, il est né et a vécu dans la ville de Burgos à Villalmanzo jusqu'à l'âge de 14 ans, lorsque le président de la Cour suprême l'a mis à Madrid à son service après avoir été orphelin très jeune de père et de mère. Il participera à la défense de l'église de San Luis Obispo de Tolosa à Baler, Philippines, mettant en vedette ce communément appelé le dernier des Philippines, l'un des actes d'armes les plus héroïques de notre histoire militaire primée dans laquelle un petit contingent militaire l'espagnol et trois frères franciscains ont héroïquement défendu le dernier drapeau espagnol d'outre-mer pendant 337 jours. Après son rapatriement dans la péninsule, le 3 septembre 1899, il retourna à Villalmanzo, où il fut reçu avec les honneurs et nomma son fils préféré. Un an plus tard, sa ville natale lui a également dédié une rue. Il s'installe à Madrid où il est employé au Palais Royal au service du roi Alphonse XIII. La citation « Une guerre a pris ma jeunesse, une autre me prendra la vie » résume dans sa biographie les épreuves subies dans les deux guerres qu'il a vécues dans ses jeunes années et dans les dernières années de sa vie. Il est mort dans la ville de Cuenca de Buenage de Alarcón dans les derniers instants de la guerre civile espagnole. Actuellement, ses restes reposent au mausolée des héros de Cuba et des Philippines au cimetière de Notre-Dame de l'Almudena à Madrid avec ceux de ses compagnons tombés pendant la défense et ceux des deux officiers qui ont survécu au siège. Aujourd'hui ses compatriotes honorent sa mémoire sur cette place avec son nom où nous sommes et avec cette plaque placée à l'initiative de l'association culturelle et socio-sportive de la Carrasca de Villalmanzo le 23 août 2014 dans le cadre d'une journée chaleureuse de hommage organisée par l'association qui comprenait une exposition, le placement d'une tuile commémorative dans sa ville natale et une mise en scène du site de Baler à l'extérieur de l'église de Nuestra Señora de la Asunción. Information extraite du livre The Last of the Philippines, Mythe et réalité du site Baler, ed. Actas, auteur, Miguel Ángel López de la Asunción et Miguel Leva.